La fête du travail édition 2023 a été célébrée en différé le samedi 13 mai 2023 par le personnel de l'IRSP, Institut Régional de Santé Publique de Ouidah. C'est à la plage de Togbe à Cotonou que les étudiants en année de licence, master et de doctorat, ainsi que les membres de l'administration, se sont retrouvés pour vivre des moments festifs. À cette occasion, le président de l'association du personnel de l'IRSP, Boris Maouyontandji, précise. Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui en votre nom. Vous, qui subissez parfois durement certaines décisions, car, faut-il le rappeler, notre association n'existe que de nom. En effet, monsieur le directeur, nous avons toujours l'impression que nous ne sommes pas associés aux décisions de l'Institut qui engagent la vie de chacun de nous. J'en veux pour preuve notre absence aux réunions du CODI élargi. Notre souhait est qu'à l'instar des prescriptions du Code du travail, que nous ayons un délégué du personnel. Nous formulons le vœu de voir notre association changer pour devenir une mutuelle. Avec ce statut, la plupart des besoins et demandes légitimes des employés de l'Institut seraient prises en compte. Je voudrais, au nom de mes collègues, vous rassurer que nous sommes toujours disposés à collaborer de manière franche et sincère avec l'autorité si vous nous tendez la main. Les participants se sont régalés autour des différents mets préparés pour la circonstance. Sur scène, l'orchestre déverse de belles sonorités musicales, impossible d'y résister. Les gagnants du jeu Tombola, organisé chaque année, ont publiquement reçu leur lot après le tirage au sort. Cette organisation vient quand même mettre un peu de l'eau dans la tension qui règne à l'IRSP. L'IRSP a été toujours défini comme Institut Régional de Sommeil Perdu ou Institut Régional de Stress Permanent. Donc cette fête vient à point nommé. Pour la réussite de cette fête, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles. Rendez-vous en mai 2024 pour des moments inoubliables de cet acabit.